Salut tout le monde, c'est Isaac dehors, j'espère que vous allez bien. Moi je suis chaud bouillant, ça va nickel. Pourquoi? Oui, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un pack opening. Mais pas n'importe quel. La dernière fois, le plus gros pack opening que j'avais fait, c'était le pack opening de la Nintendo Switch. Ben là, on allait encore plus loin. Oui, vous ne rêvez pas. Voici la PS5 en chair et en os avec l'option du lecteur CD que vous pouvez voir juste ici. Voilà, j'en rêvais de cette PS5, j'en rêvais, mais c'est une galère d'en trouver. Je comprends. Je vous soutiens pour ceux qui n'ont pas, vous inquiétez pas, on en aura tous une un jour. Moi, j'ai cherché à mort. Bon, allez, c'est parti, on commence avec l'emballage de ce petit PS5. Et on prend à chaque fois nos ciseaux. Alors. Je vais la mettre plus vers là. Ah non, c'est bon. Ah merde! Oh non, le carton. Voilà. Alors. On est en train de rentrer petit à petit. Alors, nous avons la notice. La deuxième, il y a trois notices. Il y a les trois notices. Alors ça, c'est le câble de qui relie la PS5. Oh là. Ah ouais, la manette PS5 qui est ultra belle. J'adore cette idée de plan, ça change vraiment. D'ailleurs, attendez, petite pause. D'ailleurs, on va ouvrir un truc en plus que j'ai eu avec la PS5. Une deuxième manette PS5. Bah d'ailleurs, je vais peut-être l'ouvrir tout de suite. Comme ça, ça met totalement en pause. Au moins, ça dure plus longtemps. Au moins, ça fait du bénéfice pour moi. C'est plus compliqué par contre celui-là. Voilà. Tata. Quand je vous dis pas les let's play qu'on va faire dessus, sachant que j'ai pris l'option la PS5 avec la proposition du lecteur CD. Du coup, je vais pouvoir jouer également à tous mes jeux PS4. Et comme vous savez, j'en ai beaucoup. Voilà, la deuxième manette PS5, juste ici, elle est ultra belle. Regardez les détails. Franchement, regardez, déjà elle a une autre forme. Alors, j'ai une manette PS4, oui j'ai une manette PS4. Comme vous pouvez le voir, il y a une sacrée différence. Déjà, selon la taille, déjà elle est beaucoup plus mastoc. Elle a beaucoup plus de détails que celle-là. Et surtout, elle a une différente couleur, mais aussi... beaucoup de caractères différents. Comme vous savez, ça exerce de la pression. Ça exerce comme si on exerçait la pression du jeu. Ok, cool. Est-ce qu'il y a autre chose là-dedans? Je pense que si, il y a autre chose. Non, même pas. Ah, non, il n'y a pas. Alors, on a une notice, normal. Mais on n'a pas de câble et tout. Ok. Bon, on continue sur cette PS5. Du coup, ah, il y a autre chose. J'ai pas fait gaffe qu'il y a autre chose. Je vais sortir tout ce qu'il y a. Faut bien faire gaffe aussi. Alors, là-dedans, il y a un câble pour la PS5 qui va la relier. Il y a aussi le câble pour charger la manette, je suppose. Oui, c'est exactement ça pour charger la manette. Et ça, bon, ça c'est pour la. Et ça, c'est le câble internet, je pense. Ah non, c'est le socle de la PS5. Comme vous pouvez le voir, bon, il a ce petit tout. Ah, il y a même un support de manette. Attends, ça marche? Mais oui, ça tient super bien. Et là, on rentre dans la partie principale
la PS5 elle-même. Je vais tomber le carton, c'est pas grave. Je suis vraiment très délicat parce que vous vous rendez pas compte la chance que j'ai. Il y en a plein qui rêvent d'une PS5. Moi, alors, je me moque pas de vous, je vous comprends, c'est très dur. Mais vous inquiétez pas, je vous encourage. Un jour, on en aura tous une et on sera tous très contents. Ou pas, ça dépendra si vous aimez la PS5. Oh là 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 là. Le papier, ça dégage. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est la PS5 avec l'option lecteur CD. Parce que je me suis dit, parce qu'il y a deux versions. Il y a le sans lecteur CD qui vaut moins cher et la version avec le lecteur CD. C'est-à-dire, sans le lecteur CD, je peux acheter les jeux PS5 directement sur le PlayStation Store. Mais le problème, c'est que les jeux PS4, bah, je peux pas y jouer. Et j'en ai au moins une centaine de jeux PS4. Donc je me dis, ça va être un peu dommage si on n'y joue pas. Du coup, et l'option lecteur CD qui permet, bon, il faut acheter les jeux PS5, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer à n'importe quel jeu PS4 sur la PS5, qui est plutôt cool. Alors, on peut remarquer qu'elle est beaucoup plus mastoc que la PS4, et c'est la première qui est blanche. J'adore cette idée de blanc et noir. Alors, on va le mettre sur son socle, parce qu'il tient pas du tout, il se casse la gueule. Et comment je le mets? Ça se met comme ça? Non, ça se met pas comme ça. Peut-être dans l'autre sens. Ouais, ça tient comme ça à peu près. Ça ressemble à ça. C'est plutôt pas mal. Oh là 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 là. Et vous inquiétez pas, il y aura des displays sur la PS5. Comme par exemple, bah, je les ai mis où d'ailleurs? Où sont ces deux câbles? Bah déjà, il faudra que je trouve une solution pour la faire tenir parce que si elle se casse la gueule tout le temps, ça va pas le faire. Je les ai posés. Ah, les voilà. Le jeu Spider-Man Miles Morales, l'édition ultime avec le Spider-Man normal remaster. Je sais pas si vous voyez bien, mais je pense que là, ouais, là c'est bon. Désolé s'il y a le reflet de la lumière, je peux pas faire autrement. Et Sackboy, le nouveau jeu Sackboy. J'ai jamais joué à aucun Sackboy, du coup je vais découvrir l'histoire avec vous, ce qui est plutôt cool. Mais comme vous savez, j'ai fait un let's play sur Spider-Man. Mais ce que je vous propose aussi, c'est que on a fait l'unboxing, le pack opening de cette PS5. Je vous propose qu'on fasse également l'opening de tous mes cadeaux de Noël, parce qu'aujourd'hui c'est Noël. Ah oui, joyeux Noël à vous tous. Alors du coup, j'ai eu des figurines pop, bon, c'est la continuité. J'ai eu également le petit Denis de Jurassic Park avec le dinosaure. Regardez s'il est pas beau. Le détail et les détails tout. Moi je l'apprécie vraiment. J'ai eu une autre figurine pop qui s'appelle Caternal. C'est une de Star Wars, le 8e, le dernier Jedi. C'est pas le film Jedi que j'ai le plus apprécié. Je préfère les autres, mais quand même il était bien. Mais je fais surtout, j'ai énormément de figurines pop, dont la majorité, c'est des figurines de, bah, tout simplement, de Star Wars. J'ai aussi un dessin de ma cousine. Elle a fait des portraits, et franchement, elle a un talent de ouf. Elle a fait mon acteur préféré, elle m'a fait The Rock. Dites-moi dans les commentaires, mettez-moi une note sur 10 pour que je lui dise combien elle a. Donnez-la votre avis, ça le fera plaisir, je pense. Et on a eu également, bon, je peux pas vous les présenter parce que ça se permet de me tenir à la caméra parce que je filme avec mon téléphone. Mais j'ai eu deux tomes de Roger et ses humains et également le tome 6 de Qui est qui. J'arrive pas à croire que j'ai tout ça, c'est plutôt une chance, mais je suis grave content d'avoir cette PS5. Faut se rendre compte quand même de la chance d'avoir la chance pour avoir cette console. Mais je vous tiens encore à dire, vous inquiétez pas, on l'aura tous un jour. Mais je tiens vraiment à vous soutenir parce que je pense que c'est dur pour vous d'en trouver. Et vous inquiétez pas, je vous soutiendrai. Et je vous ferai un max de vidéos dessus pour que vous voyez la qualité et pour voir si ça vous intéresse ou pas. Bon, bah voilà les amis, c'est la fin de ce pack opening de la mort. J'espère qu'il vous aura plu.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo comme tous les autres. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quel pack opening je pourrais faire et surtout quel let's play vous voulez que je commence. Et surtout, donnez-moi des conseils sur ces jeux parce que ça fait un moment qu'ils sont sortis. Et si vous voulez me donner des conseils, ce sera avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut! Bye!